Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi j'ai toujours cette appartenance. Mm-hmm. Ça fait 250 ans, surtout en Louisiane, où on est loin de tout ça. Ça, c'est les terres des Richards. C'est comme des monuments au génocide de mon peuple. Partout, tu sais, je vois ça, je le sens, je le vis. On leur avait dit, quand on les a mis dans les camps de concentration, vos marais, là, vos prés, vous appartiennent plus. Vous les avez plus, là. Si tu veux être un vrai Cajun, faut pas juste y parler français. Faut y danser à la musique. Presque tout le monde disait, c'est fini, ça. Et puis on se dit, non, c'est pas fini. Est-ce vraiment une affaire de combat et de résistance autant qu'une affaire d'amour? On aime. On aime cette culture. Ce médaillon avec une mèche de tes cheveux. Souvenir de ta bouche et des yeux.